Salut les viewers, c'est Marcus Benus et bienvenue dans la Playroom pour ce deuxième épisode de Borderlands en ce mardi. Donc, nous avions juste terminé cette quête. Nous allons peut-être pas aller la rendre tout de suite. J'ai envie d'aller là pour voir en fait où est-ce que c'est. Tout simplement. Et apparemment, c'est par là. Exactement. Là où je ne voulais pas aller, tout simplement parce que c'est loin. Hop. Monter dans le véhicule. C'était pas la bonne chose à faire. Prudence, aucune atmosphère détectée. Alors. Progression. Bah, c'est là que j'étais il y a 10 secondes en fait. Oh merde, j'ai fait le con. Oh, les pieds commencent bien. C'est par là apparemment. Bon bah je retourne voir mes copains, hein. Peut-être qu'ils ont encore une fois, enfin, peut-être qu'ils auront repop pour une fois. Ah oui, alors cette extrémité me fait chier, mais me fait chier. Attention, entrez dans une atmosphère. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. Mais ça me paraît loin, mais loin. C'est ça qui m'ennuie en fait. Alors comment je vais grimper dessus aussi? C'est une autre question. On va passer par là. Hop. Hop. Il me semble que c'était là-haut. Je sais plus où c'est. Oh là là là, en plus je me fais frapper. Non, ça devait pas être là-haut. Comment ça me gonfler cette histoire? Je sais plus où c'est, de toute façon, en fait, le fait que je ne sache plus où c'est me montre à quel point c'est loin au final. Et donc, je me dis que je me trompe sûrement. Ouais, à vrai dire, j'en ai vraiment pas la moindre idée, ce qui me dérange assez. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurai un moyen de trouver ça un autre jour. Sûrement. On va en profiter pour aller rendre la quête, hein. C'est pas grave. Alors. C'est Pickle si je me trompe pas. En tout cas, je trouve que certains personnages sont quand même beaucoup moins marquants. Enfin, les personnages tous les personnages en question sont moins marquants que ceux du premier et du deuxième. Alors vraiment moins. Oh. Beau travail! J'aurais jamais réussi sans toi. Un lance-roquette. Bon, on va le prendre. Oh. Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose en rapport avec là, ça. Tranquille. À me dire que j'étais seul au monde depuis la grande fissure. Et tu tombes sur Adams l'enragé qui balance le nom de ma sœur. Pourtant, je croyais qu'Elisa avait clamsé. Mais apparemment, non. Le truc, c'est que c'est vraiment une fleur délicate. Alors, je crois pas qu'elle va pouvoir survivre bien longtemps sans mon aide. Je balance les coordonnées du dernier endroit où on l'aurait aperçu sur ton système écho. D'accord. Bon, bah, pourquoi pas, on va faire une quête de ce genre. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir un bug au niveau de mon oxygène. Ah, rien dit. Alors, c'est parti, on progresse. Du coup, c'est censé être où? Dans les plaines de Triton. Bon, bah on va y aller alors. Ça m'arrange pas, mais bon. C'est pas grave. On va faire finir
Une partie des quêtes. Enfin, une suite de quêtes, tout simplement. Alors, plaine de Triton. De toute façon, après, on pourra aller directement à la corniche. Ce n'est pas un problème. Oh, il y a une quête là. Je vais d'abord récupérer ça. Achetez un flingue, bon sang ! Il y a un flingue, Vladov. C'est toujours un plaisir de traiter avec un chasseur de l'arche. C'est fait. Je vais t'envoyer de côté. Oh, je suis plein. Faut que j'aille vendre. Ah d'accord, on est bien en mode Halloween. Regardez. Ça, je trouve qu'on, j'ai l'impression qu'on peut trouver des bonbons pour comme argent, tout simplement. C'est bien le cas. C'est beau. La meilleure gâchette de Pandore. Bon. J'adore entendre le... Dans le son, j'adore entendre le comment le... Voilà, le tour des barillets, je trouve ça absolument génial. Votre rêve. Alors, vendons. Oh putain, on a un paquet de flingues. Ça vaudrait peut-être même le coup d'aller... Merde, j'ai vendu deux trucs de trop. C'est toujours un plaisir de prendre votre argent. Donc, je disais quoi? Je sais plus, on rentre le tour du barillet. On est en mode Halloween. Je sais plus ce que je disais. Alors, où est cette fichue quête? Elle doit être au-dessus. Hop. Ah, y'a plein de monde sur ce truc là en plus, si je me trompe pas. Prudence, environnement à atmosphère nulle. Brutal en vue. Je suis pour mon régime. Oui, donc tu vois ça, le laser géant qui essaie d'exploser la lune en morceaux. Je te laisse t'imprégner un peu. Alors ça, ça pue. Ça, c'est pute même. Et le jeu est pas bien fait. Oh, oh, tu es où? Il est où? Putain. Oh, ça me gonfle. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Bon. Si t'en as une. Non, j'en ai pas. C'est le seul à pas être au courant, semble-t-il. Wow. Je vais te calmer. Ouais, là il y en a eu un paquet de tirs. C'est la... Ouais, c'est la quête, ça, c'est pour le truc de robot. Je suis juste à côté en fait. Ah, c'est con. J'espère que ça va pas interférer. Waouh, c'est quoi ça? D'où tu viens?
Ah d'accord, c'est là que ça s'est ouvert. Ça me dit rien ça. Ça me dit franchement rien. Ça m'inquiète. Non, c'est bon. Tellement d'endroits à visiter, de types à buter. Ah oui, sachez bien. Bonjour, Cosmo. Attends. Wishbone, d'accord. Non, salutations, je suis Cosmo Wishbone, esprit de renom, et j'ai besoin de vos forces. Je compte offrir à cette lune une musique composée par mes soins, et pour faire les choses en grand, je vais lancer un satellite en orbite. Dans cette optique, j'ai construit une fusée, ou presque. Aidez-moi à la terminer et vous aurez une place dans mon histoire. Ça vous tente? Pour terminer la fusée, j'ai besoin de quelques pièces de base, et je vous dédommagerai de façon substantielle. Pour commencer, c'est des bonbons, quoi. Allez me chercher un régulateur de flux. J'ai indiqué son emplacement sur votre système Echo. Avec ça, je vais pouvoir contrôler les accélérations de l'Excelsior, et toutes mes excuses pour le voisinage. J'aurais pu m'en charger moi-même, bien sûr, je ne suis pas plus malhabile qu'un autre, une arme à la main. Mais je m'applique actuellement à fignoler ma toute dernière exploration sonore en la mineur, et je tiens à ce qu'elle soit fin prête pour le lancement de mon satellite. Il est génial. Je l'aime, celui-là. Alors, faut ne pas se faire avoir, c'est pour ça que j'ai hésité en fait à tourner. C'est ici qu'il faut qu'on aille. Hop. Qu'il faut que nous allions, comme on dit. Alors. Ah non, même pas. Ah bah cool. Moins cool. Putain, je suis perdu. Non. Bienvenue, bon. Rafistolez-toi. Achetez un flingue, bon sang. Ça va pas changer. Bon, on va aller chercher la copine de... Enfin, la sœur de Pickle. Alors, est-ce que c'est bien sa sœur? Parce que... Dernière fois que j'ai parlé... La dernière fois qu'on a entendu parler de sœur dans un jeu de ce genre-là... C'était pas vraiment des sœurs. Bon, progressons. Imagine que c'est ça. Non, c'est pas ça. Peut-être ça. Shugurat brutal. C'est beau. Ah bah c'était bien ça en fait. Il m'a lâché un snake. Ah putain. Alors, récupérer. Ok. Récupérer. Des bonbons, vous voyez. Qu'est-ce que ça va être pour Noël, dis donc. Oh non. Putain, il faut vraiment qu'il revoie certains bugs de collision assez graves. Je vous assure, monsieur. Vous trouverez pas de meilleur compresseur à vapeur à Concordia, à Sprit. T'es sûr qu'il sera compatible avec mon buggy? Il a pas l'air fait pour les hautes pressions. Oh mais oui, monsieur, certainement. C'est exactement le modèle qu'il vous faut. Sauf qu'il est vendu sous un autre nom par certains marchands pour tromper les honnêtes gens comme vous. Si mon prix est si bas, c'est que je vous épargne leur marge indécente. C'est bon, top là, jeune fille. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur. Oula. C'est bizarre quand même. Je vais installer ça alors. J'ai un rendez-vous urgent au Carrefour Lunaire. Merci encore! Elle est gentille, mais quelle bécasse! Je vais l'écraser vite fait et lui reprendre mon fric dès que j'aurai installé mon tout nouveau compresseur! D'accord. Ça alors? C'est Elisa? C'est bizarre, elle parlait tout chelou. L'important c'est qu'elle soit en vie. Mais elle sait même pas qu'elle est passée à un cheveu de se faire assassiner! Heureusement que ce compresseur avait un défaut. Si tu te dépêches, tu devrais pouvoir la rattraper au Carrefour Lunaire. Au Carrefour Lunaire, alors. Si c'est la zone... Ouais, donc je vais pas la faire pour la simple et bonne raison que c'est le même endroit, vous voyez. Donc je vais y retourner un peu plus tard. Si j'avais su, eh ben je serais pas venu, comme dirait l'autre. Bon, alors on progresse.
Je suis suivi par la bestiole. Regardez. T'as raison, va-t'en. Fuis. Attention, atmosphère de vengeance du démon. Bon, progressons. Corniche des terres éloignées. Alors, où ça que c'est? D'accord. Où ça que c'est? D'accord. Prudence, entrée dans le vide. Ouais, t'as raison, qualité, des munitions, c'est bien. Prix très bas et aucune question. Hop. À très bientôt. Ah oui, je me rappelle, c'est quoi cet endroit. Ok. Oh oh. Ça me donne envie de danser. Je t'ai eu. C'est génial. Non, bah voilà, l'atmosphère est bizarre par ici. Je me demande ce que c'est que ce truc qu'on y injecte. Quand j'étais petite, je pensais que c'était de là que venaient les cauchemars. Du coup, j'essayais tout le temps de retenir mon souffle. D'accord. Ouais. En fait, ça marche pas. Non. Plombe pas l'ambiance, Springs. Ok, c'est de mieux en mieux. Pourquoi pas? Bon, alors, on est où par rapport à... D'accord, faut aller dans un endroit qu'on connaît pas. Donc on va commencer par aller dans un endroit où on connaît. Ce sera plus facile pour moi. Et plus intéressant pour vous. Sachant que l'épisode touche pratiquement à sa fin. C'est plus facile d'aller dans un endroit que je connais. Oui, même que j'ai des mauvais souvenirs là-dedans. C'est que j'y suis mort un bon paquet de fois. Vraiment que je vais m'arrêter pour voir. Une grenade. Oh, tiens, une grenade. Fous les chocottes cet endroit. Je veux dire, même les cailloux ont l'air de vouloir ta mort. Et voilà, je recommence à tout plomber. C'est quoi mon problème aujourd'hui? Enfin, t'y es pour rien, hein, c'est moi. Oui, c'est toi. Bon, je sais bien que toi. Hein. Moi, j'y suis. Pourquoi j'y serais pour quoi que ce soit? Hey yo. Bon. Oh non. T'es sérieux là? Je connaissais le con. Faut pas aller geler. Forcément. Donc, les amis, je l'avais gardé, il me semble, exprès pour ce genre de situation. J'ai dû le vendre quand j'ai vendu tout le verre. Non, il est là. Bah alors. Voilà, ça marche bien, hein. C'est efficace. Une fois qu'on a bousillé le bouclier, c'est efficace. Commencez à me gonfler, les mecs. Alors, parfait, t'as plus d'armure.
bug qui me coupe. C'est les tripes qui pendouillent. C'est l'heure de la justice. Allez. Fondre. Elles sont lentes les balles. Merde. Bon, on progresse. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Vengeance, que je dis. Vengeance, que je dis. Vas-y. Voilà. Ta chute sera longue. Ah, des autochtones. Ne les laissez pas vous décourager. Continuez. Des autochtones. On échange nos recettes. Tu vas être là. Moment préféré. Je vais pas me laisser décourager. Je vais même pas me laisser me faire perdre du temps. Je vais t'arracher. Voilà, vous allez danser, les trous du cul. Pauvre petit chéri. Je fais un deuxième trou de balle. Ah, hors la loi brutale, ça pue par contre. Eh bé ? C'est pas ça le plan ! Ça n'a pas été simple. Enfin, pas été simple, non. C'était pas très très dur, je dois l'avouer. Mais bon. Trouver un régulateur de flux. Et bien sûr, j'en trouve tous les coins de rue. Pour qui tu me prends ? Voyons. Oh, une chiotte. Prudence, aucune atmosphère détectée. Quand un coup à crever. Un travail remarquable. Je ne m'approcherai pas trop de cette pompe hydraulique si j'étais vous. Sans régulateur de flux, j'aurais peut-être dû vous mettre en garde contre les explosions potentielles. Enfin, tant pis. Époussez-vous vigoureusement et mettons-nous au travail. Maintenant, il me faudrait une boîte noire. D'après mes sources, celle du vieux Drakensberg est entre les mains crochues d'un collectionneur un peu simplé qu'on appelle Tony le Pavif. J'ai indiqué son emplacement sur votre système. Oh la gueule. Vous devriez pouvoir la lui shipper pendant qu'il sera occupé à vous montrer ses saletés. Ça fait des semaines que Tony le Pavif se vante d'avoir mis la main sur la boîte noire du Drakensberg sur tous les forums de l'Econet. Aussi, Dieu soit-il, il semblerait bien qu'il dise la vérité. Bon. C'est encore une quête FedEx. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle heure il se fait au niveau du timer? Ah, bon. Malheureusement les amis, c'est l'heure de la fin de l'épisode, n'hésitez pas à le pouce verser s'il vous a plu, encore une fois merci de le faire, ça me fait toujours plaisir de voir des pouces verts sur mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si vous le souhaitez, ça me fait aussi plaisir de voir de nouvelles possibilités de jouer avec d'autres nouvelles personnes sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter justement si vous voulez participer à mes sessions de tournage, si vous voulez me donner vos astuces, si vous voulez me donner des idées sur quoi faire, tout et n'importe quoi, moi je suis preneur. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo et à demain pour un nouvel épisode. Donc demain, il y aura du MMO mercredi et du Borderlands. Allez, à demain.